6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on oublie Guarano. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Sont rivés sur toi les amis qui brillent tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Des sapeurs. Il faut aller dans quel quartier pour les voir? Ici à Kinshasa, ils sont partout, mais au Congo-Brazzaville, c'est à Pakoko. D'accord. Merci à la chorégraphe internationale. À Matongé, ici c'est à Matongé. À Matongé. À Matongé, le fief du village Molokai. On va changer d'univers avec ce voyage dans le futur, avec les sapécologues et Fulu Miziki Collective. Un hymne à l'inventivité inouïe, made in Kinshasa. Avec toutes les canettes qui sont récupérées, bien sûr, on peut faire preuve de créativité, la preuve. C'est évidemment au-delà de l'art, hein, c'est aussi une démarche écologique, récupérer des déchets pour en faire quelque chose de positif. Thank you.
Kansai qui englobe 5 provinces parmi les 26 que comporte la RDC. Alors, si on parlait bientôt de Fally Ipupa, la grande star de la RDC, je pense que le grand moment est arrivé. Les Warriors sont prêts. Les Warriors sont prêts. Francophonie, oh yo, et en Congo, le jeu de la francophonie. Et ma douloureux bateau à la bataille, la baïque. Clinton, ça marche. Ah, c'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. Un artiste très très chaud, très très vivant. Et qui a pris le nom d'un président américain. Il a fait un dessin, j'imagine, je sais pas pourquoi. C'était au même moment que lui se faisait connaître, ça a coïncidé que le président américain aimait Clinton et qui, moi, bizarrement, aimait beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant Fally Ipupa. On l'appelle Massano. Massano, à l'image de la grande tête là. Et le bas. Après Macintosh et voici Aigle. Fanny, voici Clark la merveille. Voilà. Elle est maravilleuse, elle magnifique. Elle magnifique avec un medley de ses succès. Je mérite mieux. Tout le monde. Sogo osa kosonga un jour. Voilà bila yo kosa ya la bala. Voilà bila yo kosa ya la bala. Na kosa ma kate kubuye yo wapien na ye bibi yo de la rite.
koma souye na konyo passe même pas semaine soulé bolingo c'est loin nana Adolfo que loin de moi Kinshasa net in a film, tocos. Tocos, ça veut dire. C'est beau. Voilà qui clôt de fort voilà, belle manière ce tableau exceptionnel, cette mosaïque pleine d'énergie, d'espoir, mémoire du passé, espoir du présent, victoire du futur. Nous espérons que vous avez apprécié le spectacle. Ce soir, une histoire nouvelle s'écrit pour la RDC. Merci à tous pour votre disponibilité. Merci aux participants, merci aux artistes. Et merci à vous, public, venus nombreux. Et on poursuit dans ce même élan avec les compétitions artistiques, culturelles. Des éliminatoires et en culture. De cette on aura l'occasion bien sûr de parler de foot, de basket, de la francophonie de et de plein d'autres choses. Bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci infiniment à. Merci donc à Laetitia et à Mamie qui on retrouvera bien sûr en commentaire tout au long.
l'attention de ces jeunes de la francophonie. Je crois qu'il nous reste encore, vous savez, il y a toujours une cerise sur le gâteau. Bien sûr, je ne sais pas si vous dites ça en RDC, s'il y a une cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, c'est le fameux feu d'artifice qui devrait clôturer cette cérémonie d'ouverture. I'm in love with you. Hey, are you done talking? Tell me, baby, are you done talking? Yeah. Are you done talking? On a vu, mamie, un aperçu de cette vitalité quinoise et congolaise, notamment au travers de cette faune et de cette flore exubérante, et puis aussi au travers des hommes et des femmes qui restent résolument pleins d'énergie. Malgré tous les soucis de la vie quotidienne, et il y en a bien sûr beaucoup. Hein. Oui, là, c'était un spectacle qui a retracé l'histoire du Congo. On a voilà. Tout vu. Eh bien, on a tout vu, on s'est régalé. On va, le robot. Avec ce fameux robot invention 100% RDC. C'est une dame, voilà. Thérèse Kirongos, ingénieure. Allez, on se quitte et on se retrouve demain pour la première journée des épreuves sportives et culturelles. Passez une très très belle soirée. À demain. Merci.